Bonjour, bienvenue sur HNDB Bois. Cette semaine, on fait de l'aménagement pour la maison. Bien, pour l'aménagement de la maison. En fait, c'est au niveau des toilettes. Il y a une extension faite à la maison, donc les toilettes se sont déplacées. Donc j'ai une petite pièce dans le couloir d'entrée. Donc là, dans cette pièce, je vais aménager deux penderies et des rangements. De toute façon, je vous mets l'image ici quelque part parce que moi, j'ai fait ma CAO avant pour justement regarder comment j'allais concevoir et dessiner cet ensemble. Donc là, moi, je pars toujours sur des tablettes en mélaminé. Comme ça, c'est quelque chose de très simple. Les chances sont déjà collées. Il n'y a plus qu'à faire quelques découpes. L'assemblage, ça sera avec du lamello et pour la hauteur des tablettes, avec le système Craig. Si vous avez raté la vidéo sur le lamello, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Et puis, bien sûr, le lien pour le système Craig qui marche super bien. Bon, allez, c'est parti! Bien, je voulais vous reprendre juste 30 secondes. Vous avez vu, j'ai fait mes débits, j'ai fait mes découpes. Ça y est, là, c'est l'assemblage au lamello. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la description, mais je vous explique juste 30 secondes. On peut utiliser l'équerre ici qui est sur la machine, mais souvent, il faut la régler et tout. Moi, je trouve ça assez chiant. Pour du 18 mm, ça va très très vite. J'utilise la surface de référence ici en dessous. Donc, si je veux quelque chose qui arrive ici au bord, eh ben, je ne cherche pas. Ma surface de référence, c'est ma semelle. Un bout de scotch ici, je sais que c'est ma surface de référence, je la mets vers le bas, je viendrai faire l'ensemble des usinages, et pour la planche, pour venir à fleur, je prends une butée, je viens la mettre ici, et hop, je viens faire pareil, je viens faire mes usinages. Comme ça, j'ai bien cette surface-là de référence, et cette surface-là, et cette surface ici, et là, vous verrez, je serai nickel. Allez, on continue. Bien, bon, ça y est, comme vous pouvez voir, tous les assemblages au lamello sont terminés avec les surfaces de référence. Là, ce que je voulais faire, c'est le perçage avec le système Craig. Vous savez, le pas 32 de toutes les vis. Ben, j'ai remarqué quelque chose. En mettant un contreplaqué de 5 mm pour le départ, parce qu'au départ, je voulais démarrer là-bas, mais ça ne tombait pas juste ici. L'étagère était plus basse. Et comme on va mettre des paniers de 150 de haut, ben, ça ne marche pas très bien. Donc, pour faire tous les 160, par exemple, ben, je mets un contreplaqué de 5 ici et je suis sûr d'arriver à 160. Et après, quels que soient les trous, je vais faire tous des trous tout du long, ben je pourrais retomber toujours sur 160 entre les deux étagères. Allez, c'est reparti!
Bien, bon, ça y est, cette colonne, elle est enfin fabriquée. Donc, comme vous pouvez voir avec l'assemblage Olamello, avec les références, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bah, c'est nickel parce que c'est bien d'équerre. Les taquets, avec la petite cale de 6 mm, bah, comme ça, j'ai mes taquets l'un en face et là, je peux avoir la même distance. Donc, je peux régler les étagères. Elle verra comment elle réglera les étagères en fonction des boîtes qu'on va mettre dedans, les boîtes en tissu pour le rangement. Ensuite, ici, il va y avoir les deux penderies et une étagère en haut. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais faire l'installation. Je ne vais pas forcément vous emmener parce que c'est très petit, c'est un ancien toilette. Donc pour filmer, ce n'est pas évident, vous serez derrière, il n'y aura pas assez de place. Mais nous, on se retrouve juste après. Bien, bon, ça y est, l'installation, elle est maintenant terminée. Donc je n'ai pas pu filmer, je ne vous ai pas fait d'image parce que c'est vraiment exigu. Vous voyez, je n'ai vraiment pas beaucoup de place pour filmer. C'est vraiment très petit, c'est un ancien toilette. Hein. Mais quand vous regardez, vous voyez, c'est une idée d'aménagement. Donc j'ai toute ma colonne ici qui va du bas jusqu'au plafond pour des rangements. Et ici, j'ai deux penderies qui sont la première, elle a une hauteur de 1,10 m ici et là 2,20 m. Vous voyez, on a l'impression que c'est très haut, mais en fait, on peut facilement prendre la veste et puis se changer et la remettre comme ceci. Donc il n'y a pas de souci, 2,20 m. Moi, je fais 1,70 m. Donc vous voyez, 2,20 m, ben, c'est assez haut pour que je puisse le prendre. Donc là, la fixation, ben, j'ai mis une équerre là-haut qui tient la colonne. La colonne, elle est tenue par deux équerres. Et puis voilà, ça fait un ensemble aménagé dans un espace très petit. Et une petite idée pour l'installation de la tablette là-haut. En fait, j'ai utilisé mon système Craig avec les vis en biais et je suis venu percer en biais dans le béton pour pouvoir fixer cette étagère. Ce qui fait que je n'ai pas de taquet en dessous. J'ai les trois vis de chaque côté avec le perçage en biais. Et comme ça, la tablette, elle est fixée sans aucun système en dessous. Donc là, moi, vous retrouverez dans la description juste en dessous le système Craig pour percer les trous, le système Craig pour les vis en biais. Vous retrouverez tous les liens dans la description juste en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne TB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.